Aider des statuts, lorsqu'il parle des statuts, c'est la parole de Dieu. C'est le commandement de Dieu pour l'aider comme une cicatrice en dedans, pour ne pas chambrier. Eh bien, le roi Josaphat lui remporter la victoire sous l'ennemi. Gumbo et Bouyoele et Yada. Yada, c'est même à vous. Parce que nous en sommes, semble-t-il, l'ouvrage. Ou adorer, c'est ça mon son appétit. Chanter avec musique, accompagnement de vie. Moi je dis, Yada, ça veut dire chanter avec les maisons. Yada. Moi, moi. Combien de monde a alors adoré le Seigneur? C'est un petit lève-moi. C'est pas si important. Pas si important, c'est pas un arrangement. Et peut-être que nous voyons pour moi, pour mes frères, pour lever, pour l'adorer le Seigneur. Ça va être une obligation. Ça va l'adorer comme si c'est possible que tu as pensé, on t'a de sentir désir pour chanter en dedans. Parce que si désir en dedans, c'est celui la difficile pour adorer son Dieu. Adorer le Seigneur pendant que lui-même lui pourrait, lui voulait recevoir adoration comme un parfait. Hein? Comme un parfait qui est consacré dans Psaume 63, le verset 4, l'a prouvé respect de sa grêle Yada, qui l'a nous a chanté avec les ouverts. Peut-être que vous avez oublié de chanter mal, l'adoration du obstacle. Obstacle qui permet l'adoration, il va arriver plus haut que tête moins. Nous chantons, nous chantons mal. Eh bien, il y a derrière ces mêmes ouvertes ou en référence à Yahvé, c'est-à-dire Dieu, littéralement. Cela signifie la main de Dieu. La main de Dieu, il est employé pour décrire l'action d'élever. Les mains avec joie. Vous pouvez lever mieux avec joie sans personne monde par forcer pour chanter pour manger. Hein? Sans personne monde va dire, et c'est un Dieu qui a collé la paix pour adorer. Eh bien, c'est vidéo l'a parlé clairement dans Psaume 119 pour dire Seigneur, aidez-moi pour me capable toujours à compter bien pour adorer. Eh bien, c'est la question posée, qui devons-nous adorer ces vespérales? À qui devons-nous adorer? Je ne connais pas pour vous-même qui nous adore. Est-ce que vous adorez le Dieu créateur? Ou est-ce que vous adorez un autre bagage? C'est qui nous adore dans la place de Dieu? Qui est-ce que l'adoration, mon Dieu? Et bien maintenant, il dit, heureux ceux qui sont intègres dans les voies, dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éther. Je ne sais pas qui va nous faire. Ou pas adorer. Mais dans Psaume 68, le verset 29, il dit bien, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mesdames, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Vous plaignez-vous, nous plaignez-vous. Les gens plaignent, ils m'ont avantage, nous. Il va peut-être la plaire. C'est vite à ôter à écrire pour dire que dans le verset de l'air, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout le cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Ordonnance. Combien mon assuré qui obéit à la parole de Dieu? Combien de nous qui l'a fait, qui fait sa parole là, de nous faire? Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin, Seigneur. Afin que je garde tes statuts, alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. Est-ce que c'est vrai ça, mon Dieu? Ça, c'est vrai, combien parce qu'il m'a appelé. Est-ce que je me louerai dans la droiture? C'est long. Jamais t'as loué, mon Dieu? Est-ce que comme vraiment par notre bagage, il y a magasiné là-dedans? Comme Seigneur. Hein? Est-ce que en donne vraiment une adoration qui est agréable pour mon Dieu? Est-ce que une adoration qui est parfaite pour le Seigneur? C'est ça que l'homme vit dans le temple pour capable de sentir la présence de Dieu, il faut que depuis la carrière il y a une préparation qui fait. Sinon, l'adoration va le boiter. Vous entendez là? C'est pas de l'homme qui là, on va préparer le service là, non, mais c'est depuis la carrière, même commencer par une préparation pour faire. Sinon, on va le diriger, on va le diriger bien.
Ou pas le péché bien, il pas enseigner bien. Parce que vous-même personnellement, ou pas une disposition pour adorer. Si vous sortez la terre avec disposition pour exalter le nom de Dieu, et franchement, vous rentrez là et vous sortir avec une parole quand même. Parce que pas de monde qui a une présence de Dieu pour sortir. Jamais. Non. Il est passé au cantique. Il est passé au monde pour aller à la bonne service à la fin. Pendant qu'on a terminé, mais ce qui va être la dernière prière. Pourquoi pas la dernière prière pour parole qui vous tire attention. Mais pour que tu es venu, pour que tu puisses y aller quand même. Parce que, obstacle qui est l'adoration, l'adoration est flottée. Le monde est devant mon Dieu pour obstacle parce que nous sommes clair. Si clair, pas dans la condition pour nous adorer mon Dieu, nous travaillons, hein? Ou chanter, ou chanter, hein? Ou prier, en vain. Tout ça, en vain.